sommes en Occitanie, nous sommes à Montpellier, dans un très très beau domaine qui est le domaine de Verchamps, où on a eu le plaisir d'accueillir un peu plus de 300 personnes. Région empreinte de beaucoup de traditions culinaires. Mais aussi, nous sommes venus récompenser tous les acteurs, serveurs, maîtres d'hôtel, chefs de rang, sommeliers, qui font un travail extraordinaire. C'est toujours un réel plaisir, une reconnaissance. Ça représente surtout la persévérance. Parce que j'ai déjà été en 2011 grand de demain. Après, j'ai eu le prix de la transmission. Je pense à mes équipes, je pense à tout ça. Parce que c'est pas que moi aujourd'hui, je suis devant de la scène. Mais ce qui est important, c'est toutes les équipes qui sont autour. C'est la famille de la cuisine. On connaît les sommeliers, les maraîchers, les boulangers. Vous rencontrez des gens que vous avez formés. Il y a toujours la bonne relation qui est dedans. Et c'est la fraternité de la cuisine. J'ai fait de nombreuses maisons classiques et maintenant je suis dans le classique mais modernisé quand même. Le plat que j'ai présenté aujourd'hui par exemple est issu d'une cuisine classique mais quand même modernisée. Ben, on va puiser quand même dans l'histoire de la cuisine française hein, et j'amène une touche de modernité. Nous avons besoin de ce type d'événements. Goemio est vraiment là pour nous aider et pour faire la promotion d'ailleurs des jeunes talents aussi. Voir à la fois des jeunes, des plus anciens, des récompenses un peu pour tout le monde. Est-ce que c'est pas ça un peu l'image de la transmission ? Alors, l'image de la transmission, c'est tout à fait ça en fait. C'est du bonheur, c'est un plaisir. La vie, c'est ça. On fait un métier passion,